foule, disaient volontiers les mères de coq il n'y a pas si longtemps, trouvant parfaitement naturel qu'un coq abuse d'une poule si elle avait le tort de courir sur la route. On admettait qu'il était dans la nature des coqs d'agresser et dans celle des poules d'être refaites. On disait aussi, quand les poules auront des dents, eh bien tout arrive. Les poulettes d'aujourd'hui ont parfois des dents, des becs et des griffes. Citoyens, comme vous, nous avons été victimes des abus de la force. Dans notre société moderne, comme vous, nous subissons encore la force tyrannique de ceux qui détiennent le pouvoir, à laquelle s'ajoute, pour nous, la force tyrannique de ceux qui détiennent les droits. Et tout cela s'abrite sous le couvert de la République. Une République qui maintiendra les femmes dans une condition d'infériorité ne pourra pas faire les hommes égaux. Avant que vous, hommes, vous conquériez le droit de vous élever jusqu'à vos maîtres, il vous est imposé le devoir d'élever vos esclaves, les femmes, jusqu'à vous. Beaucoup n'ont jamais réfléchi à cela. Aussi bien si dans cette imposante assemblée, je posais cette question. Êtes-vous partisan de l'égalité humaine? Tous me répondraient « oui ». Car ils entendent en grande majorité par égalité humaine l'égalité des hommes entre eux. Mais si je changeais de thème, si pressant ces deux termes « homme » et « femme » sous lesquels l'humanité se manifeste, je vous disais « êtes-vous partisan de l'égalité de l'homme et de la femme ?» Beaucoup me répondraient « non ». Alors, que parlez-vous d'égalité? Vous, qui étant vous-même sous le joug, voulez garder des êtres au-dessous de vous? Que vous plaignez-vous des classes dirigeantes, puisque vous faites, vous dirigez, la même œuvre à l'égard des femmes que les classes dirigeantes? On trouve moyen de faire des recherches scientifiques pour tout. Chaque jour, on découvre aux animaux et aux végétaux des qualités nouvelles. On multiplie les expériences tendant à lever des bêtes tout l'utile, des plantes tout le salutaire. Mais jamais encore on a songé à mettre la femme dans une situation identique à celle de l'homme, de façon à ce qu'elle puisse se mesurer avec lui et prouver l'équivalence de ses facultés. On dépense en France des sommes folles pour obtenir certaines qualités, souvent factices, chez des races d'animaux. Et jamais on a essayé d'expérimenter avec impartialité la sueur de la femme et de l'homme. Jamais on a essayé de prendre un nombre déterminé d'enfants des deux sexes, de les soumettre à la même méthode d'éducation, aux mêmes conditions d'existence. Vous ne voulez pas faire cette expérience? Savez-vous bien que vous nous permettez de croire, à nous les femmes, que vous avez moins le doute que la crainte de notre égalité? En continuant à nous laisser dans une vie atrophiante, vous imitez, vous, hommes civilisés, les barbares possesseurs d'esclaves qui exploitent avec grand profit la prétendue infériorité de leurs semblables.